la bagarre des meilleurs mondiaux. C'est presque une finale olympique. Hein. Philippe Garda, pendant la pause, est venu nous voir, le père de Steve, en disant que c'est compliqué pour un chef de piste. Parce que nous, avec Rodrigo, on disait oh, quel dommage d'avoir un ou deux cavaliers qu'un point de temps. Mais comment faire pour départager les 10 meilleurs mondiaux? On ne peut pas mettre les barres jusqu'au ciel. Hein. Ouais. Non, c'est très difficile. C'est très difficile pour le chef de piste. Et bon, je crois qu'il a fait un bon parcours. Le tracé était agréable, mais il a manqué une ou deux petites secondes pour que ce soit vraiment parfait. Mais bon, il a quand même réussi à sortir 5 sans faute. On découvre le parcours avec Marco Kutscher. Un Auxerre pour démarrer. Et puis maintenant, on prend la ligne de 3 foulées. On la porte de l'autre côté, maintenant à main gauche. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 foulées jusqu'au bidet. On peut en enlever une ou pas là? C'est pas impossible. Après la triple barre, maintenant 1, 2, 3, 4. On a changé, on a enlevé la palanque, on a mis à verticale pour faciliter un tout petit peu. Et puis une bonne galopade vers le B et le C du triple, Auxerre vertical. Et puis un demi-tour là très serré à l'intérieur pour le portail de Genève. Voilà, et 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 foulées vers le dernier. Le cheval s'est libéré un petit peu, il s'est délié et puis ça va beaucoup mieux. 47-09, score vierge pour cette deuxième manche. Il reste avec son total de 9 points. Marc se sert de cette deuxième manche comme une warm-up à 1m60, c'est pas banal. C'est parti sur l'Auxerre pour la Suisse. Oui, on voit bien là, clairement, qu'il ne cherche pas un chrono non. En faire. Mais il fait quand même dans un bon rythme. Il ne fait pas... Triple barre qui est tombé, 4 points. Il pensait qu'avec la vitesse qu'il avait pris dans le tournant, c'était assez. Il n'a pas confirmé à la fin. C'est une grosse triple barre. Hein. Elle a 2 mètres de large, donc... faire le tour. Voilà. Maintenant, on pense à dimanche. Et attention à lui dimanche, parce qu'il va rebondir de ça. 3 fautes comme ça sur 2 tours. Ça va le motiver. Oui. Dimanche, il va être raide énervé. Il n'est pas dans le top 10. Lui est dans le top 10 avec NASA, Steve Garda. 5 points au compteur. 4 points plus 1 point de temps dépassé. Donc pour lui aussi, la victoire c'est un peu râpé, mais bon, il va donner de l'expérience à la jument, faire un bon parcours et penser aux semaines à venir, parce qu'on est le 8 ou le 9 décembre aujourd'hui, il y a encore la Corogne, Londres, Mechelen, donc c'est pas fini et c'est une jument qu'on va voir au départ dans les prochaines semaines, bien sûr, parce que Nino, c'est son dernier concours cette année. C'est dire que dimanche il va pas lâcher grand chose, le Jurassien. Il a un bon tempo. Hein, là. Ouais, ça sert à rien de rentrer dans une épreuve comme ça et de faire le barrage à 2 à l'heure. Un jour, quand il sera au barrage d'un Grand Prix avec zéro, il sera obligé d'aller vite et c'est comme ça qu'elle va apprendre. C'est en faisant, il faut pas aller comme un fou, mais en apprenant, il arrive un tout petit peu près. C'est en apprenant à faire des parcours comme ça, voilà, pour donner l'expérience. Il tourne devant quand même et un jour, elle devra le faire pour de bon. Elle a besoin de cela, la jument, parce qu'elle a beaucoup de force. Mais pour l'instant, quand elle réalise des 100 fautes, c'est beaucoup dû à la monte de Steve. Elle a de la qualité, mais effectivement, elle a besoin un tout petit peu de se prendre en charge, non? Oui, tout à fait. C'est une jument qui elle a de l'expérience, mais elle manque un petit peu de bouteille encore. Et je crois que c'est aujourd'hui, ça a été... très productif et très instructif pour elle. Ici, il y a une petite place d'honneur à jouer parce que avec un sans faute, ils vont passer bien évidemment devant les 4 points. Et si le barrage se déroule de la manière dont on pense qu'il va se dérouler, ça va aller vite et ça va augmenter les possibilités de faute. Et avec un point de temps, ça peut les faire boum, 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 remonter. Et cher ami brésilien Rodrigo, aucun des 3 Français n'a fait tomber une barre en première manche. Et bravo. Allez, Myrtille Paulois, bonne jument, même avant Bostille, hein, parce que déjà,
gagnante d'une étape Coupe du Monde avec Jessica Curtin, qui avait gagné ici d'ailleurs le top 10 il y a quelques années. C'est parti. Donc très important maintenant d'être... Il peut avoir un petit peu de dépassement de temps s'il veut, mais pas plus que deux ou trois. Mais bon, il va monter dans le rythme, c'est pas... Aller plus doucement, c'est pas... Il va pas prendre de risque, il va ouvrir un tout petit peu pour être sûr d'avoir une bonne impulsion ici. Très court les quatre. Du moins qui... Difficile à revenir un tout petit peu, hein, comme il doit. Il a dû monter la triple barre assez fort. Il a eu un petit peu de mal à la faire revenir. Et donc voilà, aussi pour lui, c'est aussi foutu parce qu'il sera à 5. Donc. Plus d'enjeux possible voilà, pour faire partie du podium. L'arrivée en 53-09. 4 points sur cette deuxième manche, 1 point sur la première. 4 plus 1. 5 pour Roger Ibost et Kelsen Forbes, Mirti Poloa. Ici pour Rolf Göran, s'il arrive à faire un sans faute, c'est pour une place d'honneur. Donc il va faire aussi dans un bon rythme, mais sans risquer le maximum. Surtout qu'avec pour l'instant et Quintero risqué, la sanction est rapide. Ouais. Parce que c'est pas le plus styliste. Chal puissant. Il reste quand même un crack. Kutcher, Garda, Schwitzer vont regarder le parcours du Suédois. Avec attention, bien sûr. C'est parti. Lui aussi, je pense qu'il a profité de cette deuxième manche pour donner un petit peu d'habitude de barrage à ce puissant fils de Cantu. Il peut sauter des montagnes, ça c'est sûr. Joue un tout petit peu. Ça c'est dur par exemple pour le cheval, d'ailleurs il a touché un tout petit peu. Il va derrière, il n'y a aucune nécessité de tourner devant. Il peut se permettre un tout petit peu de temps parce que ça ne changera rien pour lui. Oui, un point ou deux. Ça changera rien. Ouais. À moitié de barre. Voilà. Et il termine avec un très beau sans faute, Rolf Göran Benson, avec Quintero Lassila en 54-50. Il reste avec un point au total de ces deux manches. C'est ceux qui ont réalisé un parcours vierge et dans le temps à l'issue de la première manche. Lui n'est pas n'importe qui. Ce couple n'est pas n'importe qui puisqu'ils ont remporté la finale Coupe du Monde. C'était en Allemagne à Leipzig. Le cavalier est très en forme. Oui. C'est un cavalier extrêmement rapide. Le cheval sur le sol est très rapide. Le cheval sur le sol est très rapide. Il est très en forme. Il sera lundi numéro 1 mondial. Et oui. Pour la première fois. Et s'il réussit son tracé qu'il a en tête, il faudra aller le chercher. Donc on va voir. C'est toujours difficile de passer en numéro 1. Mais parfois c'est un avantage parce que si vous réussissez, vous mettez toute la pression sur les autres et il doit vraiment risquer. Donc s'il réussit son tracé, il pourrait être là. Mais aussi il va montrer la route aux autres. Peut-être un des parcours les plus importants, hein, voilà. Le final du top 10. L'Allemand, Christian Allemagne. Très vite. Voilà. Ouais, vite. Attention, parce que là, il y a un vrai effort. Oh, il coupe court pour aller sur la très court, mais bon, lui, il n'a pas les problèmes pour les quatre. Le cheval revient très bien, c'est vite. Il trouve une belle foulée de loin. Il doit réajuster un tout petit peu. Là, peut-être il a perdu un tout petit peu. C'est vite. C'est très, très vite. Oh là, le virage. Ouais, inouï, quel virage. Oh là 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 là. Sur la porte de Genève. Voilà, allez, sur la dernière ligne, il n'a pas perdu c'est de vite, temps. C'est vite. 43-57. Vous aviez dit 44, je suis bravo, pessimiste. Je trouvais ça incroyable, je trouvais ça gonflé de votre part. Il est même plus rapide que les 44 annoncés par Rodrigo Pessoa. Mais bon, on va voir. Taloubet, le cheval de Christian Amann, est par Galoubet, tandis que ce petit Talzan, tout petit 1m59, lui c'est sa mère qui est une fille de Galoubet, son père est par Leto, un gabarit complètement différent. Christian est avec un grand cheval avec beaucoup d'amplitude. Ito est un cheval plus réduit, qui manque pas d'amplitude, non. En tout cas de vitesse. Mais
aussi très très bien dressé, beaucoup d'expérience, ouais, qui respecte, extraordinaire, très respectueux, qui maintient une belle forme de saut, une belle rondeur malgré le fort, le tempo. Donc on va voir. 43-57, voilà le chronomètre à match. En tout cas, il y va. Oui, maintenant il faut tenter, il n'y a rien à faire. Oh, il est à fond. Il peut tellement lui faire confiance. Et direct, et direct. Il regarde déjà l'œil sur le prochain obstacle. Ça, c'est long. Ici, les 4 pour elle, ça va, ça revient bien. Voilà, c'est ici où lui, il a perdu un tout petit peu de temps, mais... Je ne crois, pas que ça soit plus rapide, non, quand même. Non, c'est pas assez. 10 secondes pour rentrer. La verticale. Le vertical, c'est bon. Oh, ça va être, à mon avis, un peu court pour Edwin Atops, Alexander et Ito du Château. Eh ouais, 34. 3 dixièmes. Eh ouais, 0,34 de... Le temps est battable. Le temps est battable parce que lui, ici, s'approche autant que ça de Taloubé, qui est un cheval très rapide. Le temps est battable, c'est une grande foulée. Attention, il reste 3 cavaliers. Milord, Carthago, Pénélope, le prévôt. Elle peut le faire. Le cheval a de l'amplitude, il a déjà fait surtout. Et oui. Elle a toujours des très bons tracés, elle coupe au plus court. Et il va falloir prendre tous les risques, mais je suis sûr qu'elle va tenter. Bien étudier, utiliser les 45 secondes maintenant pour bien réfléchir à son tracé. Regardez la belle image là, sur cette piste, juste derrière elle, le lac. Bien évidemment. Extrêmement concentrée, la française. Elle va partir à main droite aussi pour pouvoir pour essayer que le cheval atterrisse à main gauche pour pouvoir aller directement chercher le vertical. Là, les dixièmes et les centièmes. Voilà, parfait. Attention, ça, celui-là, il n'est pas sexy depuis le début. Ils ont tous touché cet obstacle. Elle n'est pas en retard, Rodrigo, elle n'est pas en retard. Elle n'est pas en retard. Si ça pointe bien ici. 3, 2, 1, parti. Oui. Gardez bien au milieu. Hop. Allez, maintenant il faut y aller. Il faut laisser ouvrir un peu. Oui. Ah, 4 points sur le l'auxerre du double. Elle a protégé un petit peu la barre de devant parce que, bon, à cette vitesse, il faut protéger la barre de devant. Il lui a manqué un petit peu de... Et direct au dernier. Ouais, mais deux fautes. Elle était moins rapide. 44-76. Je vous rappelle que Talou BZ est en 43-57. Et oui, Christian, ça c'est fait. Ouais. Conserve sa pole position pour ce top 10 pour l'instant. Talou BZ et Christian Allemann qui sont en tête en 43-57. Il reste plus que deux coupes. Pas des moindres, hein. Pas des moindres, parce que, bon, ici, lui, on sait qu'aller vite, c'est vraiment aucun problème. Ce cheval a beaucoup d'action et c'est sur l'action que ça va se... Parce qu'il est moins rapide sur le sol. Il est moins rapide sur le sol. Quand tu dois, s'il doit refaire une foulée, il met plus de temps, étrangement, que Taloubé. Mais lui, c'est le génie du tracé. Ouais, lui, les tracés, vous pouvez lui faire confiance. Voilà, regardez ça. Il enlève une foulée là, hop. Une foulée de moins, la voilà. À ras du poteau ici. Wow. Très en biais, très en biais. Prise de risque maximum. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là. Catastrophe. Prise de risque vraiment pour aller sur le 6, sur la triple barre. Il ne paye sévèrement. Avec un grand cheval comme ça, bon, on va oublier le reste du barrage. On va essayer d'expliquer aux téléspectateurs ce qui s'est passé. Mais il a pris la triple barre vraiment de biais pour s'écarter au maximum pour pouvoir rentrer ses 4 foulées, parce qu'à cette vitesse il a besoin de plus de place pour pouvoir caser ses foulées, et donc arriver sur une triple barre de biais à une triple barre de 2 mètres de large de biais, c'est vraiment une chose à peu près une incompréhension sur le reste de la ligne. Mais bon, il n'y avait que ça à faire pour lui, pour aller prendre ce temps, il n'y avait que ça à faire, hein. Voilà, la fin un peu lourde de conséquences, bien sûr, pour Marcus Henning. 12 points, Copain Van de Broye en 51-61. Et pour l'instant, podium pour Bankston avec son point de temps au premier tour. Exactement. Taloubé est en tête, Ito du Château 2 et Quintero Lassila
est juste à la troisième place, vous venez de le préciser. Et notre Bosti, quand même, quatrième, je signale. Voilà. C'est peut-être un moment historique pour Kevin Stout. Je vous signale, Rodrigo, que c'est ici, sur cette piste même, avec cette même jument, qu'il avait remporté son premier 5 étoiles indoor. Et là, pour cette finale, il sent qu'il y a 15 jours, il l'a fait à Stuttgart. Il l'a fait ici. Contre les Allemands, déjà. Contre les Allemands. Et ici, il est un peu chez lui parce que c'est un ambassadeur en ambassadeur Rolex aussi. Rolex qui est le sponsor de cette magnifique épreuve depuis le début. Et il va tout donner. Il va tout donner. La tâche est rude, mais il a les moyens, il a l'outil pour le faire. Et en même temps, l'enjeu est tellement exceptionnel. Remporter le top 10, c'est quelque chose, évidemment, et vous le savez. Et avec Noren qu'on voit un tout petit peu à droite. L'image là qui se ronge. A donné ses instructions. Voilà, attention, c'est parti. 43, 57. Oh. Wow. Bien. Parfait. Un des seuls à ne pas avoir touché cette verticale. C'est bien. Oh. Prêt. 1, 2, 3. Oh. Ça, c'est bien c'est fait, bon, monsieur. C'est bon. Il est plus rapide. Il est dans le temps. Enfin, au moins, il n'est pas en retard. Oh, grande foulée, attention, à bas de derrière. La jument est aérienne quand même. Bon. Attention, ce vertical. Il est pas loin. Les portes il de Genève. Il est un petit peu plus long. Il faut tenter allez, ce dernier. Allez, Kevin, il faut ouvrir le gaz, là. Il peut aller chercher le chronomètre. Non, ça va. Si, c'est foutu. Non, il est plus lent. C'est foutu. Il est plus lent, 44, 47 pour le Français. Il est troisième. Il a perdu sur l'avant-dernier. Sur l'avant-dernier, il a perdu. Il était un tout petit peu plus large. Allemagne, il a fait un demi-tour, là, vraiment, à une foulée. Il a perdu là. Et puis peut-être sur le dernier, il n'a pas voulu tout tenter. Mais bon, c'est quand même un super barrage. Vous devriez monter à cheval, Rodrigo. Ouais. Votre analyse était parfaite. En tout cas, c'est pour cette 12e édition de ce top 10 formidable, 9e édition ici. C'est Christian Allemann et Talou Bezed qui remportent en 43-57. Pas une barre effleurée, il était le plus rapide. Et Lumina Tops qui a quand même fait une performance formidable avec son petit jaune. Hein. Ouais. 43-91. Kevin qui est quand même sur le podium, encore une fois parmi les meilleurs, en sans faute 44-57. Et puis quatrième Benson avec Quintero Lassila, qui le paye cher, son petit point de temps dépassé.